Monsieur Bressou, dans le quintet de dimanche, je vous présenter Milita Haf, qui vient de faire une bonne rentrée. Quel bon début à ce niveau de compétition. Oui, tout à fait, elle a fait une bonne rentrée. Elle n'a pas eu un super parcours parce qu'ils étaient 20 partants. Elle a fait un gros, pour moi, un gros effort en face qu'elle n'aurait pas dû pour une rentrée. Mais bon, elle court vraiment bien. Elle est loin d'avoir fait une mauvaise performance. Ce matin, elle a travaillé en compagnie Miller Thomas. C'était un bon travail. Oui, un bon travail d'entretien pour les deux à 4 jours de la course. Donc Milita, on peut finir par une montée, a priori. Normalement, pour moi, la montée en condition sur cette course de rentrée, j'en attends une très bonne performance de sa part. En haut de tableau, il y aura Formi, donc on fait un essai au niveau groupe, mais qui revient dans le handicap. Oui, tout à fait, oui, parce que suite à sa victoire dans le handicap dont il avait été pénalisé de 7 kilos, j'avais essayé un groupe 3. Et là, 70 kilos, je suis assez tenté de revenir dans le handicap pour voir si réellement le handicapeur m'a puni de 7 kilos. C'était mérité ou pas? Ouais, voilà. Ah, on va dire si ça a été mérité. Et le cheval est toujours aussi bien de toute façon? Le cheval est aussi bien, de toute façon là il fait du travail d'entretien et on va y mettre les peaux de mouton parce que quand il a gagné son handicap c'était peut-être parce que c'était une rentrée, le cheval a été généreux et comme c'est un cheval qui est plutôt qui marche un peu à l'économie, je vais lui munir de guerre australienne. Et dans le groupe vous en avez pensé quoi? C'était compliqué pour lui? Oui, c'est un cheval qui marche un peu, comme je dis, un peu à l'économie en course. Morgan Regraz n'avait pas pu le monter parce qu'il était accidenté, il était tombé une course avant. Et j'ai mis un jockey qu'il ne connaissait pas et qui a pour moi un peu trop temporisé dans le dernier tournant plutôt que de durcir un peu. Enfin, pas de durcir, mais voilà. Le contexte était forcément idéal. Oui, voilà. Et l'arrivée de la pluie va avantager ces deux chevaux probablement? Formi, ça ne le désavantage pas étant donné qu'il a fait une très bonne performance dans le Fifrelet. La course de rentrée, quand il a gagné son handicap, on va dire que c'était pas lourd, mais bon, c'était bien souple. Milita, c'est une fille, un produit d'Enrique, je crois pas que ça la dérange. Donc, je ne vais pas dire que ça va être un plus pour eux, mais ça ne les dérangera pas. Quoi.